Je vous ai appelé aujourd'hui parce que la situation est extrêmement délicate. Nos services secrets ont confirmé l'existence d'une nouvelle menace qui est différente de tout ce que nous connaissons. Cette organisation est en capacité de lancer des attaques n'importe où dans le monde. Ces gens tuent au hasard, indépendamment de tout âge, religion ou nationalité. Le risque en termes de pertes humaines et de terreur psychologique est important. Il ne peut pas être ignoré. Ces gens incarnent l'idée même d'impondérable. La seule action envisageable est de répondre à la force par la force. À compter de cet instant, mon programme est réactivé et je vous confie le commandement de toutes les opérations sur le terrain. Recrutez vos agents parmi l'élite des forces mondiales. Les frontières et les protocoles sont sans importance. Nous serons le bouclier qui protège le monde civilisé contre tous ceux qui veulent le détruire. Quelles que soient les méthodes employées par l'ennemi, quelles que soient les défenses derrière lesquelles il s'abrite, l'équipe Rainbow doit se tenir prête. Salut à tous les amis, c'est Evan. Je suis très heureux de vous annoncer que je relance ma chaîne YouTube. J'avais fait une pause vraiment excessive due malheureusement à de la perte de matériel. Mon PC malheureusement ne tenait plus les graphismes que j'avais sur mon PC tout simplement. Et ça faisait quand même la deuxième fois que j'allais me racheter une carte graphique. Je pense que je suis assez poissard vis-à-vis des PC, donc je suis passé directement sur console cette fois. Donc vous inquiétez pas, hein, la fluidité, la qualité, tout ça, ça serait quand même au rendez-vous. Parce que de toute manière YouTube bride les vidéos, donc vous aurez quand même du 1080p 60fps, il n'y a pas de souci. Le son, vous l'aurez également encore. Correct, je vais faire les choses bien, et en plus grâce à l'acquisition d'une nouvelle connexion, avant j'avais 2 mégas, ce qui faisait que des vidéos d'à peu près 15 minutes je les posais en 6-7 heures. Maintenant je suis à 500 mégas, donc vous imaginez pas le débit, vous inquiétez pas, j'ai déjà fait le test, c'est assez sympa pour moi et donc pour vous également, ce qui fait que vous aurez des vidéos beaucoup plus fréquemment. Donc je relance ma chaîne YouTube, mais par contre ne vous attendez pas à ce que je relance mes anciens let's play du style Assassin's Creed Rogue, j'arriverai jamais à le dire, parce que justement comme je vous ai dit, il est sur PC, et comme mon PC ne contient plus ce genre de graphisme, eh ben, je suis obligé de passer sur console, mais je vais pouvoir vous proposer du Assassin's Creed Syndicate, du Just Cause 3, du Metal Gear, enfin bref, tout ce qui me passera par la tête et ce qui vous fera plaisir également, parce que vous le savez très bien, vous me demandez de faire un let's play sur un jeu vidéo, je le prends et je fais le let's play dessus, il n'y a aucun problème, c'est toujours le même principe. Je balance également un nouveau projet avec un ami qui s'appelle Alex, que je connais depuis 6 ans maintenant. On va commencer à streamer grâce à ma connexion, ça me permet également de pouvoir élargir un petit peu mes horizons et de faire un peu ce que j'adore. Donc on stream très souvent, donc pour l'instant c'est essentiellement du Rainbow Six Siege, mais vous inquiétez pas, on va tout streamer, du GTA, on aura plein de trucs, donc n'hésitez pas à venir sur la chaîne Twitch, on a balancé nos liens Twitter et Facebook, justement pour que vous puissiez vous renseigner un maximum, vous verrez que dessus je poste également mes let's play. Ce qui fait que tout sera vraiment sur ces pages là, donc je les mettrai dans la description, il n'y a pas de souci. Je m'excuse vraiment auprès de mes viewers vis-à-vis de ma chaîne YouTube, je n'ai pas donné de nouvelles parce que malheureusement, comme j'ai dit, je n'avais plus aucun matériel, donc j'aurais pu pas lancer un message, mais malheureusement je pense que avec la centaine de vidéos que j'ai fait pour trouver le message, ça aurait été un petit peu compliqué. J'aurais pu faire une vidéo vlog, mais malheureusement il aurait fallu que je le fasse avec mon téléphone et je suis pas trop apte à ce genre de projet, de faire des vidéos comme ça à la rush, c'est pas trop mon truc. Malgré que je ne fasse pas beaucoup de montage, j'aime quand même que la personne qui regarde soit tranquillement assise, que le son soit correct, que la vidéo soit correcte et que tout soit correct, quoi. Voilà. Donc là, vous inquiétez pas, le correct, comme je dis, sera au rendez-vous grâce à l'acquisition de ce nouveau matériel et de cette nouvelle connexion. Voilà les amis, n'hésitez pas donc à lire la description, tout sera dedans. Ciao.